Il y a 100 ans. C'était pas dur, vraiment. Ça a été pas dur, ces petits cadeaux. Ouais. C'était le centenaire, alors. Pourquoi le nom Vauban? C'est la deuxième question, ça? C'est la deuxième question. Ah oui. Tu peux donner un cadeau pour moi, je peux donner un petit portefeuille pour la première. Alors, qui a donné l'année de... C'est 1920. Ouais, bien. Cadeau. Bravo. C'est la réactivité. Pourquoi le nom Vauban? Ah oui, d'accord. Le nom ça, du c'est créateur. Un cadeau un peu plus... Ah oui, là, c'est... Un peu plus staffé. Le nom du créateur. Non. Ah, c'est presque ça. C'est presque ça. C'est presque ça. En fait, le groupe a été créé en 1922, rue de Paris, à Saint-Germain-en-Laye. Une petite boutique, qui est une église, en fait, elle partait de l'eau aussi. Il n'y a pas de voiture. En 1960, le garage est s'installe place Vauban à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. C'est une siège historique. Depuis 1960, on est là. La famille Cossard, c'est la troisième génération. Ça vient là. Donc c'est quand même monsieur qui gagne. Monsieur gagne. Donc là, c'est plus ta stylo. Stylo. Non, mais c'est pour écrire les 100 prochaines années. D'accord. Voilà. Bon, bravo, c'est la question. Quelle marque distribue le groupe Vauban? Mais pas que peu. Historiquement, Seat et Toyota. Toyota. Et DS, Automobile, Citroën, Peugeot. Ouais. Ouais. Seat. Eh bien, on rentre parce que ça s'est pratiquement terminé. Nous sommes partis un peu plus tôt et là, nous sommes à La Roche-Guyon. C'est un endroit bien sympathique avec des restaurants bien sympathiques. Nous sommes près de Giverny où on peut voir des choses bien agréables sur les jardins de Monet. Et là, je trouve ça, regardez, c'est la balade préférée des motards. Plein de petits virages sympas, plein de petits restaurants sympathiques. La 402 roule à merveille. Voilà, la sortie, ah ça saute un peu, hein. La sortie de La Roche. Et à La Roche-Guyon, il y a des habitations troglodytes. Je vais vous mettre quelques photos après cette vidéo. Et hop, la 402, elle envoie les chevaux. Je vous montre le tableau de bord. Un joli volant en bakélite, un tableau de bord qui regroupe
toutes les informations et un levier de vitesse qui fonctionne non pas par crémaillère mais par câble. On est en quelle vitesse là? Nous sommes en troisième. Et voilà, c'est reparti. À tout à l'heure.